J'utilise une grande palette en plastique pour pouvoir être confortable et pouvoir piocher à l'aise mes couleurs. Là, je vais commencer par du blanc mat et je vais recouvrir cette partie. Quand je déborde trop sur le jaune, là, je vais utiliser un petit sopalin vide pour laver les dépassements. Des fois, j'utilise l'éponge également. Ici, il s'agit que d'un premier passage. Généralement, pour ce genre de touche, je vais travailler sur plusieurs couches en attendant le séchage complet.